Donc, on est allé à Pride, à Fierté, à New York la première fois. Moi, j'aime pas ça, les défilés Fierté. Mais tu sais, on a été plusieurs personnes. Et en sortie, tu sais, c'était bien. Parce que moi avec les Américains, je m'entendais très bien parce que souvent, les Américains sont très chaleureux en partant. C'est juste que quand tu fais quelque chose puis ça les fourre, ils vont te poursuivre, ils vont faire double face. Surtout les Américains qui n'ont pas vu ailleurs que les États-Unis, qui sont dans la bulle des États-Unis, ce qui est pire. Donc, c'est ça, je cherchais des amis aussi parce que j'ai toujours la misère à avoir des amis, whatever, je me sentais bien. On est allé faire des clubs. Puis aussi dans ma tête, je pensais avec ce gars-là, que une relation s'en vient, tu sais, ça marche comme une relation amoureuse. J'étais comme, ok. Il était quelques années plus vieux que moi. Il était pas en forme, mais il était pas pire. J'étais comme, ok. T'es pas top modèle, mais t'as du potentiel. Puis quand je comprends à Albany, c'est comme à Trois-Rivières. Si t'es beau à Trois-Rivières, ça veut pas dire que t'es beau à Montréal ni au monde. C'est comme, c'est un petit bassin. J'étais comme, ok. Puis, on est allé à une club. Et moi, côté juif, je suis juif, j'étais élevé juif, mais je dis ça comme un joke, côté juif, si je vois des sous-noirs au sol, à l'époque, je les ramasse, tu sais. Mais il y a des choses, j'étais quelqu'un de curieux. Donc, j'avais vu quelque chose par terre au club, donc je le prendrais pour voir c'est quoi. Puis c'est la première fois que l'autre me chialait pour faire ça. Il disait c'est embarrassant, c'est qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le rapport. C'est comme, il a presque pété une coche devant les autres personnes. Puis une personne l'avait dit, je pense pas que t'aurais dû faire ça à lui. Tu sais, il a montré ses vraies couleurs. Mais moi dans ma tête j'étais comme, ah ben je suis fucké là. Tu sais, je pensais que c'était moi, je n'ai pas pensé que c'était ce tas-là qu'il y a des problèmes. Puis, c'était un peu comme ça, la relation. Tu sais, je trouvais ça correct dans le sens qu'on habitait ensemble, puis ils ne pouvaient pas quitter la maison avant qu'il est tout bien coiffé, tout ça.
J'étais comme, ah, ok. Moi, je me pouponne. J'ai pas fait comme le lien que ce maladie, tu veux pas être vu crush, là, à Albany, là. Ah. Fait que, c'est en plein ça. Ah, ok. Je pense que c'est là que je dois aller. Je vais juste aller voir mon truc. C'est long cette vidéo-là. C'est chanceux, j'ai fait sur la caméra les clips de mon entraînement. J'ai fait au gym. Ah, c'est ça l'affaire. Ce que je fais, c'est que je fais des clips, je les fais la montage sur mon iPhone et j'utilise pour TikTok une coupe, j'utilise pour Instagram une coupe, puis je mélange avec ce vidéo-là et une vidéo en anglais pour ma poste Fitness David Montréal. Donc, je commence à avoir moins stressé, à être moins stressé pour avoir du contenu. Il faut prendre le même contenu et le modifier pour chaque réseau social. C'est pas évident de faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Ok, là je suis rendu trop loin. Je suis mauvais. Je vais aller là. Je peux pas faire deux choses à la fois, je m'excuse. Donc, c'est ça. J'ai resté là 3 mois. Puis mon compte d'épargne, je perdais de l'argent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je peux dire que tout s'est bien organisé après. Et ça a bien allé. Je peux pas dire plus de détails que ça. Puis après, les chiottes, c'est pas la première fois que quelqu'un me met dehors. Il m'a mis dehors après 3 mois ou quelque chose. Puis j'ai trouvé une place de l'autre bord de la rue. Tu sais, Albany, à l'époque, même à New York, si à New York, Manhattan, vous aviez le droit, ben pas le droit, il y avait le défilé de fierté gay, tout le monde était full fierté gay parce que tout provient de ça, de. Le petit bar Stonewall, tu sais. C'était illégal. Tu peux te mettre dehors si t'es gay. Il n'y avait pas les droits pour les gays à l'époque. Mais, et ça paraissait plus à Albany. Mais lui, il m'a mis dehors. Puis la rue, c'était sur la même rue, mais il y avait beaucoup plus de ségrégation. L'autre bord de la rue était plus du ghetto. Et le bord de rue comme lui, c'était plus des belles maisons appart, genre. C'était très bizarre. Donc moi, j'ai passé l'autre bord de la rue où le monde n'avait pas d'y aller parce que j'étais pas noir. Par rapport. C'est le monde de trouver dangereux. Tu sais, quand t'es dans le bulle américain, c'est comme la peur, ça propage. Mais moi, je venais pas de là. J'étais assez bâti, j'avais les cheveux courts comme militaire. Puis le monde pensait soit j'étais un policier, ou j'étais dans l'armée, ou j'étais n'importe quoi. En parlant de la police. Donc, c'est ça, fait que j'habitais là, puis c'est à ce point-là que j'avais un client qui m'a aidé à faire mon premier vidéo d'entraînement. J'ai pas montré mon premier vidéo d'entraînement que j'ai fait à Pennsylvanie. C'est lui qui m'a aidé à le subventionner.
juste pour prendre, pour éviter tous les détails, je savais pas que quand les gars ont des motifs ultérieurs ou ils tombent en amour avec moi, je pensais que, d'une façon naïve, que le monde... Oh. M'aimait pour moi. Ce qui est pas vrai. Le monde m'aimait parce qu'il recevait quelque chose. Si quelqu'un t'aide à subventionner une grande portion de tes vidéos, puis dans ma tête, c'est comme moi qui en fait un échange de services, je t'entraîne, je m'aiderai, puis tu aimes ça voir les vidéos chez vous parce que tu as une collection, c'est pas ça. C'est là mon expérience à moi qui est dysfonctionnelle. Donc, bref, il a fallu que je retourne à Montréal. Je ne dis pas tous les détails. Peut-être que je dirai les détails dans une autre vidéo. Mais là, je veux voir où est-ce que je suis rendu avant que je devienne un peu fou. Et on se reparle dans la prochaine vidéo. Laisse-moi les commentaires. OK. Bye.